Espoir, solidarité, action sociale multiple, prise en compte des revendications des travailleurs, voilà globaliser l'essentiel du souhait des confédérations syndicales du Gabon en cette nouvelle année placée sous le sceau de la restauration. Aussi, le respect du code du travail et de la condition du travailleur devrait impérativement devenir le slogan de l'ensemble des entreprises et administrations de notre pays en vue de consolider l'élan de justice sociale déjà insufflé par le chef de l'État. La Fédération des entreprises du Gabon, elle, s'est aussi pliée à l'exercice du jour, réitérant par l'entremise de son président son engagement indéfectible à accompagner les autorités du pays dans leur mission de développement du Gabon et souhaitant pour ce faire être comprise par tous pour l'essor du développement économique du pays. La FEG prône un environnement économique propice à l'épanouissement des entreprises. "2024, année prospère pour les entreprises et les travailleurs gabonais. Nouveau départ vers le Gabon glorieux, vers un Gabon restauré et digne d'envie." C'est le moins que l'on puisse arrêter comme condensé de la tonalité de ces discours.